l'origine de la fête d'action de grâce, voilà où ça va que pour la première fois, moi je dois dire que c'est Dieu lui-même qui a initié cette fête d'action de grâce. Ou tout simplement qui a initié les actions de grâce. C'était quand? C'est quand Dieu a donné pour la toute première fois, Dieu donne les 10 commandements à son peuple. Il donne les 10 commandements à son peuple. Là, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 20. Et au verset 24, Dieu dit ceci. Après avoir donné donc les 10 commandements, il dit ceci. Au peuple, il s'adresse, il dit, tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, des brebis, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. C'était pour la première fois que Dieu parle des actions de grâce à son peuple. Sans hésiter, je dirais simplement que oui, parce que dans la Bible, nous avons beaucoup de passages que je ne pourrais pas citer ici, qui parlent effectivement des actions de grâce. La Bible dit « rendez des actions de grâce ». Mais comment rendre des actions de grâce à Dieu? Il y a plusieurs manières. On peut apporter l'offrande, on peut faire des actes, mais ici, nous voulons célébrer. C'est pourquoi nous appelons cela fête. Et en même temps, nous disons que cette fête, elle est continuelle, donc nous devons rendre grâce à Dieu au fait à chaque moment, chaque jour. Ce qui dit fête, cela nécessite la présence. Or, cette présence aussi, par rapport à cette fête, c'est une action de grâce. Mais par rapport à notre contexte, notre fête d'action de grâce, nous sommes censés apporter tout ce que Dieu a mis à notre disposition comme moyen, que ce soit en nature ou en espèce. Donc, nous venons remercier Dieu par rapport à ce qu'il a eu à accomplir dans notre vie. Ceux qui comprennent le sens de ce que Dieu fait et trouver notre reconnaissance peuvent se retrouver en une cérémonie pour célébrer la reconnaissance envers Dieu pour ses prophètes. C'est pourquoi nous faisons de cela une occasion de fête. Donc la fête d'action de grâce est bel et bien une cérémonie. La fête d'action de grâce doit être fêtée. Même si on n'a pas l'argent, notre présence, c'est déjà une action de grâce qui est forte. Dans le langage humain, personnellement, je dis que pour le Seigneur, c'était un très grand événement qui est de donner les 10 commandements à son peuple. C'est-à-dire que Dieu donne à son peuple un texte qui va régir leur rapport, c'est-à-dire les rapports entre Dieu et son peuple. Donc désormais, c'était pour dire au peuple que voilà désormais ce que vous pouvez faire et ce que vous ne devez pas faire pour bénéficier de mes faveurs. Donc pour le Seigneur, c'était un très grand événement. Et c'est pour cela que Dieu demande à son peuple de lui rendre grâce par rapport à ce qu'il a fait et désormais par rapport à tout ce qu'il fera après. C'était pour la première fois que Dieu demande des actions de grâce à son peuple. C'était dans Exode chapitre. Sur les actions de grâce. Il y en a plein. J'aimerais donner ceci. Une fois, je ne sais plus c'était quelle année, mais c'était les actions de grâce. Je n'avais pas l'argent à amener. Et je me suis dit, j'avais les porcs, j'avais les poules, j'avais des chèvres, je ne sais plus quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Madame, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre les histoires qui sont à la flamme et offrir à notre Dieu. Alors je vous dis, nous sommes allés le samedi à la ferme et on a pris, en tout cas c'était les plus beaux de nos bétails, et on a ramené pour Dieu. La semaine qui a suivi, les voisins qui étaient à la ferme, autour de moi, plus de 100 bétails ou 100 bêtes sont décédées. J'étais la seule ferme où les bêtes n'avaient pas couru. Jean s'est demandé, Monsieur Georges, nous avons la moutier, nous avons la produit de l'été, nous salimons, nous avons le mot, nous avons le mot, nous la cabine, nous avons le Zambe, Ata, nous avons le mais à partir de la cabine, santé, du boulet, la biso, et nous sommes la biso. Voilà mon témoignage. D'abord, ce que nous devons savoir, la Bible dit ceci. Nous devons rendre continuellement grâce au Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu.
Et c'est là que nous les trouvons, dans le nom de Dieu, qui nous dit clairement que nous sommes appelés à rendre continuellement grâce. Vous lisez là 1 Corinthiens, la Colossiens, chapitre 1, verset 12, 19. Il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ça. Ça veut dire quoi? Dieu veut qu'on lui rende grâce pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit comme bien, comme faveur dans nos vies. Dieu nous demande de lui rendre grâce. Mais nous devons d'abord commencer à rendre grâce à Dieu pour les aspects spirituels de ses bienfaits dans nos vies. Depuis mon adolescence, j'ai souffert de la dysménorrhée et de règles douloureuses. Si koyo na ke na hôpital, ba ebisinga que non, il faut opérer na myome. Opérer na deux fois, en 2010 et en 2014. Et puis en 2016, na komo remarquer sous ma perturbation ba règles. Na komo sa ba deux semaines na ba règles, un mois, voire même mois oyo na mois wana sanga ni ba règles kati na ngote. Er na kei na hôpital. Ma médecin m'a dit que non, mon utérus était polymyomateux, donc il y avait des myomes partout. Selon eux, bon, comparé à un sac de pommes de terre. Comme dans l'hôpital, ma médecin, avant toute sa opération, il faut aussi une échographie. Et on a cette échographie, médecin, a le bien non, moi j'ai opéré le sous-exacte. Pour opérer les sous-exacte, neni, autrement dit, liquide, moroboé, ce qui t'obite opéré et s'est propagé, ça va infection, s'est propagé dans les autres mobiles, mais ça fatal, ou y'a un coup, ça, tu coopères le souté. Ma parent, on a bandou bounde la médecine, pour opérer, quand on a la matrice, ça zone, y'a quoi, ma bandou qu'on supplie, médecin, boy, a bien opéré, on a souté, bobima. Je suis mis en hôpital avec mes saignements, avec mes fortes douleurs. Espoir que je suis soutenu dans mon arrêt. Je suis en train de me faire. Mais là, il faut toujours rappeler que Dieu a promis de me faire la Bible. Je suis en train de me faire la Bible. Ngai nandi m'opération te yo olobai o kataki makila ya mwasi wa pendant makutanga makila pendant 12 ans nzambe o kata pe makila na nganga na tio na défi o kata pe makila oyo ezali ko bima herbe to moni médecin na batongo e auscultin ngalo bi ah mais madame o ezali myome de ezali ko bima yo ngalo bi ah myome o bien myome de zo bima yo. Après médecin a matisi nga na mbeto a longoli nga myome myome bibi na voix basse bien mon médecin azoka mo bi kisi o nga ya na pesa ki ngo ezaki pona ko réduire taille ya ba fibrone banda na banda pesa ki so na le bibi sa myome te en tout cas nzambe o yo sambela ka a bi kisi yo et depuis je sors de chez moi, je prends les transports, j'arrive à mon lieu de destination, travail, ce parcours en ville, tout ça j'arrive, je rends grâce à Dieu. Quand nous considérons tout ce qu'il fait pour nous, à tout moment que nous réalisons les merveilles du Seigneur, à tout le moment que nous nous palpons du doigt une intervention quelconque de la part du Seigneur. Comment rendre grâce à Dieu alors qu'on lui a demandé des choses qu'il n'a pas encore données? Vous savez que dans la Bible, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6, nous ne devons pas nous inquiéter. Mais ce que nous devons faire, nous devons présenter nos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Déjà, si nous devons voir des précieux passages, on nous montre qu'on peut même commencer à rendre grâce à Dieu lorsqu'on présente même ses besoins à Dieu, pendant qu'on n'a pas encore reçu gain de cause. Cela ne nous donne pas pour que nous puissions rendre grâce à Dieu. Pour l'amour de mon Seigneur, c'est tellement immense, tellement humble, nous ne voulons même pas fixer de vie pour Dieu. Parce que quand on a fixé la vie sur Dieu, il nous donne ce que nous voulons. Il ne fixe pas de vie. Alors, quand nous rendons grâce, on a fixé un moment.
pas seulement en termes d'argent, parce que si on réfléchit en termes d'argent, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, bon, je n'ai pas l'argent, comment je vais rendre grâce au Seigneur? Alors que ce que Dieu nous donne, c'est plus que l'argent. D'ailleurs, la Bible est dans 1 Corinthiens 4, verset 7, dit, qu'est-ce que nous savons que nous n'avons pas reçu de la part de Dieu? Si nous faisons des grâces au festival, chacun donne selon son cœur. Chacun donne selon ce que le Seigneur a mis dans son cœur. La stratégie non plus, c'est pas une stratégie. Mais nous sommes en train de faire des choses en nous conformant à la Bible, dans la mesure du possible. Nous ne voulons pas être éloignés de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas faire les choses parce qu'il y a des habitudes qui se sont déjà implantées dans la communauté ou dans l'église. Nous voulons faire les choses parce que nous pensons que nous sommes avec Dieu. Parce que nous pensons que nous sommes en train de faire ce que Dieu nous demande dans sa parole. C'est ce qui est le plus important. Pourquoi nous ne voulons pas fixer un montant en disant nous voulons atteindre 100 000 dollars, nous voulons atteindre 80 000, 120 000 dollars. On peut bien le faire. Comme une motivation, c'est bien, mais avec le temps, nous sommes dit, faut arrêter avec ce genre de pratique. Et nous voulons simplement nous conformer à la mesure du possible à la volonté de Dieu. Avec les enseignements qui sont donnés, que les gens se comportent comme des adultes et qu'ils viennent et qu'ils donnent pour la gloire du Seigneur. Nous comptons donc sur le peuple de Dieu. Nous comptons bien plus sur Dieu lui-même qui est prêt à nous bénir et à nous accompagner. Ce ne sont pas nos efforts qui nous ont amenés là où nous sommes. S'il y a des choses bonnes, nous considérons que cela n'est que la grâce de Dieu. Alors, il est bon que nous puissions faire de cette grâce de Dieu notre équilibre en tant qu'Église, bien avancer, à faire les choses à Le fait de ne pas donner un montant fixe pour la fête d'action de grâce, si c'est une stratégie, un risque, moi je pense que non. La fête d'action de grâce ne doit pas être centré directement ou totalement sur l'argent. Parce que nous rendons grâce à Dieu à tout moment de notre vie. Donc, nous avons voulu faire comprendre aux chrétiens de la parole en comprenant que l'action de grâce doit être un rythme de vie. Amen. Ma chaîne, il y a qui tombe, bêta sifflé, bêta sifflé. Il aurait fallu que dans l'organisation, vous atteindre beaucoup de gens, ceux qui sont ici, au pays, ceux qui sont en dehors du pays. Nous savons qu'il y en a qui nous ont fait, qui nous ont posé des questions. Est-ce que vous nous mobilisez? Frères de l'église, les anciens frères, membres de l'église qui sont à l'extérieur, on ne le fait presque pas. On ne le fait pas. Il est possible de le faire. Pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'on ne pense pas à ça. Mais le faire, c'est aussi une bonne chose. Mais quoi qu'il en soit, ne voyons pas quelqu'un ou un groupe de gens comme étant une personne qui peut s'indiquer, bien aider. Savoir comment est-ce que nous préparons les enfants pour la fête de l'action des grâces et comment nous faisons la collecte, c'est que depuis un certain nombre de dimanches, nous avons une série de leçons. Et entrer à l'action des grâces pendant la période d'un mois. Pour apprendre aux enfants c'est quoi l'action des grâces. Donc on ne fait que répondre à des séries de leçons des actions des grâces en rencontrant des récits de la Bible. Ainsi de suite. Nous devons donner à Dieu comment être reconnaissant et pour pouvoir les motiver à poser des actes concrets de leur propre chef et qu'ils puissent donner eux-mêmes déjà avant de pouvoir ajouter ce que nous parlons. Et si nous arrivons à peu près à une semaine de l'action des grâces, c'est là que nous distribuons des enveloppes aux enfants.
et les jours J, on s'est répartis les tâches et par rapport à ça. Donc, le jour de l'action de grâce, nous allons collecter tous ces dons qui viennent des enfants et ensemble, nous allons les donner à l'église pour la cérémonie d'action. C'est que nous enseignons aux enfants. Il ne suffit pas seulement de dire merci à Dieu avec la bouche, mais aussi avec bien nous devons aussi les remercier. Après le temple, il y a déjà d'autres projets sur lesquels l'Église s'est lancée. Mais en réalité, nous sommes sous la direction du Saint-Esprit. Nous nous laissons orienter par lui. Lui seul sait où il veut nous amener. Vous savez, si au départ, Dieu nous avait dit ce qu'allait coûter ce temple, je ne pense pas qu'on se serait lancé. Nous avons Kébéna, nous avons Kinshasa avec, je dirais, des extensions que nous sommes en train de créer. Nous avons un projet, nous avons plusieurs. Après le temple, notre plus grand projet est la construction d'une école moderne à Kébéna, Epem Ndongalani. Nous pensons que nous sommes capables, avec tout ce que nous avons fait déjà ici, nous sommes capables de continuer à construire pour le Seigneur et nous pensons construire l'école de Mouanane de Kébéna et l'église moderne également à Kébéna. Et le point de départ de notre institution au niveau de l'école. Le projet de construction coûte toujours de l'argent. Et au niveau de l'église, on a profité de faire la fête d'action de grâce. On rassemble suffisamment de fonds pour finalement intégrer le projet de construction dans la fête d'action de grâce. Nous donnons à Dieu pour des grands projets. Par exemple, la construction du temple, c'est parti avec des actions de grâce. On a réussi à construire ce temple avec des actions de grâce. Même la chaise de chaises, les nouvelles chaises que nous avons. C'est grâce à l'action de grâce que nous avons ça. Et je pense que l'action de grâce, c'est ce que nous devons le faire au quotidien. Et c'est ce que tu veux aussi, afin que nous puissions lui être reconnaissants. La fête pour moi représente une occasion unique de célébrer ma reconnaissance à Dieu. C'est premièrement notre reconnaissance à Dieu, parce que une fois, quand Dieu a mis nous dans le temps, pensez au bienfait de Dieu. Ce que Dieu a fait est tellement grand. Et nous, en tant que ses enfants, nous nous disons que nous devons commémorer tout ce que le Seigneur a fait pour nous tout au long de l'année. Les actions de grâce, les affaires mon beau, il y a tout, il y a mon appareil. Les affaires mon beau et l'équipe a fait union sur mon appareil. Les amours pour l'on a mon appareil. Il y a qui tout comme une qui pour la haute zambé à de l'ingaï, pour la haute zambé à salé l'ingaï. Zambé comme la tala carolinga batte l'ingaï, bande et bande de yamoula. Qui nous les loups, nama kamwami nene, nami pepe à l'olenge à l'olenge, oui, comme l'ingaï benza, ma bouti pe à l'olenge pour la gaï. Tout le monde a sa la connaissance, pour la voyage pour faire ça, action de grâce, pour la voyage pour fêter la mouille. Cette année, je vais nous faire une action de grâce pour rendre grâce au Seigneur pour ce temps. Cette année, je n'ai pas été malade, je n'ai pas été animé, je n'ai pas été. Nous amenons au présent. D'abord, nos cœurs à nous sont disposés, après nos présents. En fait, c'est ça. Moi, je pense qu'un culte pour repenser aux bienfaits de Dieu qui sont tellement énormes, énormes. En tant que chrétien, je dois rendre grâce continuellement à Dieu. Dieu nous recommande dans sa parole de lui rendre continuellement grâce. Mais de manière spéciale, chaque année, la fête, le moment de la fête d'action de grâce représente ce moment spécial où je célèbre ma reconnaissance à Dieu en repensant à tout ce qu'il a accompli pour moi et en lui rendant grâce de manière cérémonielle. Je lui rends grâce parce que je fais confiance. Je lui rends grâce parce que mon Dieu est fidèle. Il écoute. Il comprend, il agit au temps favorable. Pour moi, il représente beaucoup. Parce que à travers la fac, la mona le beau Kwanzambe, ça les larai à mini par rapport à la fac. En tout cas, personnellement, l'expérience mini par rapport à la
pour la fac espérance représente qui belé yango na zanga raté chaque année. Donc c'est la table de Mathieu qui pour la nyoso à salir la campagne.